Bon, vous allez me dire ce qu'il en est par rapport à. Alors Par qu'il rapport cherchait à tout la ça. sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Gérald tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La Kermesse. magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuivit donc sa route avec Kera en quête du repère du mage. Voire même présent, Il il savait attend. bien que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage elfe, mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Gérald. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kera lui fournit une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchine. Les moires du marais de Torséchine. Ouais, il y avait. On cherche Ciri en fait qui était. Parti avec. On a tué lui là. Le loup-garou. Avec cet abruti là. D'ailleurs, on va faire une petite. Méditation, n'est-ce pas? On va arriver au matin. 6h du matin. On va manger des olives. Les vieilles de la forêt, exactement. Vous allez me dire par rapport au stream ce qu'il en est, hein, les amis. Alors, attendez, comment on joue? Ça, c'est mes. Ok. Ok. Ça, c'est mon sens de sorceleur. Putain, je suis un peu du père, les gars. Ça, c'est quoi? Là, je sors mon arme, je crois. Ouais. Comment on bloque? Esquiver. Et comment on part? On voit plus comment on part, les mecs. C'est vrai que j'ai une hache maintenant. Bon, bref. Ok, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Alors, on va aller voir un petit peu les quêtes, les amis. Où est-ce qu'on en est? Donc, le Baron Sanglant, c'est une super quête, apparemment. Qu'on m'a conseillé de faire. Je suis actuellement de niveau 5, donc je pense qu'on peut la faire. Hein. Honnêtement, je pense qu'on peut la faire. Hein. Rendez-vous au château du Baron. C'est une quête longue apparemment. Et sympa. Qu'est-ce qu'on a comme quête secondaire de bas niveau? Il faut parler à Kerametz. Faux papier. Ok, bon, je pense qu'on va faire la quête du Baron Sanglant. On va faire ça, je pense. Allez. On va se rendre au château du Baron. Où est le château du Baron? Il est là. Il y a une quête ici. Elle est bien, tu la connais? On va aller à noir machin là. Normalement, il y a un. Voilà, y a un panneau ici. On va aller à noir machin truc. Allez, c'est parti. Bam bam. Range en arme par contre. C'est pas le foufou non plus quoi. Est-ce que j'ai des trucs à te vendre? Pour acheter ou farfouiller? Qu'avez-vous à vendre? Montrez-moi ce que vous avez. Est-ce que moi j'ai des trucs à vendre? 23 sur 60. Honnêtement, je suis pas si mal en vrai. Non, je crois que j'ai tout vendu déjà. Ouais, j'ai tout vendu de ce que je pouvais vendre. Ok. Au revoir. Adieu. Tu l'as déjà fait, ok. Mais par contre, au niveau de l'inventaire, j'ai pas trop envie de boire. J'ai pas trop envie de boire. Ah, j'ai pas de consommables. Faut que j'achète des consommables. De quoi manger quoi. Quand même, parce que là je vais être bourré là. Si je bois ça je vais être drunk non? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ah merde, mais si je bois. Attendez, mais je peux pas acheter. Y'a pas une taverne où je peux. Attends, mais lui il a pas des consommables à acheter. C'est pour acheter ou farfouiller? Je vais voir s'il a pas des consommables. Parce que moi, si j'ai. Rien, c'est chiant quoi. Cinquième essence. Une selle. Torche, des gants, ouais. Il aime bien se bourrer la tronche. Geralt. Ouais, bon, écoute, je suis bourré, tant pis. Tant pis, on y va bourrer. Galop, Ablette. Écartez-vous les nuos. Ah, il m'a craché dessus le bâtard. Il m'a craché dessus. C'est la pire chose.
À côté de la quête, il y a justement un panneau de quête dans lequel on va se remplir de missions. On va voir un peu ce qu'il propose. Parce que j'aurais tranché la tête. Tu me craches dessus, blam. Je pense que c'était d'un niveau assez élevé en plus. Dégagez les nulos. Pardon madame. C'est un bon boulot pour Marie. Ah. Salut mec. Boulet de cidre, les cahiers. En tout cas, il y a du bon. Oh, il a une gueule lui. Montrez-moi ce que vous avez. Vas-y, donne-moi des consommables là. T'as pas des consommables? C'est quoi ça? C'est une quête ça? 43 il l'avant, quel bâtard. Un truc comme ça? Ah, c'est vrai que je suis un boss de sorcière. Faudrait que je me fasse respecter, j'avoue. Il m'a craché dessus, je devrais me revenir et lui éclater la gueule. 21. Un oignon. Oh, j'ai plus de la gueule de ouf. Ah, Zazel! Re! Ça va depuis ce matin? Merci de repasser. Honnêtement, je pense que je vais m'acheter les oignons pour vrai. Pas me coûter cher. Et ça, c'est une quête du coup? Ouais, j'ai une quête à dire les amis. On va aller dans l'inventaire. Merci d'être là ce soir, c'est The Witcher, mon cher Azazel. On a un petit peu avancé dans l'histoire, on a une dizaine d'heures de jeu sur cette partie. Je n'ai jamais été trop loin là-dedans. Ah, pardon. Est-ce que j'ai lu un bouquin? Est-ce que j'ai lu... Attendez. Vous avez déjà lu ceci. Ça m'a donné une quête ou pas? Je crois même pas que ça m'a donné une quête. Hein. Je crois que j'ai acheté un truc pour rien, non? Oh, je suis désolé. T'as déjà joué à The Witcher, Azazel? Monsieur Auriel, comment il va? Alors. Ah oui, ça... Ah putain, ça m'a ajouté des... Ah mais il voulait lire les bouquins. Ah, chasse au trésor! Putain, bien sûr, il y a des quêtes. Allô, pardon, bonjour. Bonjour, j'avais pas entendu, excuse-moi. Pardon. Il va là, moins vite. Salut. Bonjour. Le baron est là. Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi, je veux trousser la jolie reine Cero. Oh. J'ai déjà vu ce gars-là. T'étais à l'auberge de la croisée des chemins, un peu plus tôt. Oh oui. On s'est reprendre ta route sans faire de vagues. Sur stream, salut. C'est ce que j'ai fait, elle m'a conduit ici. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? De ta mère. Putain. Et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Vous allez mourir, les gars. Ouvrez la porte. Sergent. À
Bardal, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est bien compris. Salut. Wow. Oh la gueule. Ah, des quêtes. Pas vos oignons, mon gars. Pas vos oignons. D'ailleurs, en parlant d'oignons, monsieur. Eh, monsieur. En parlant d'oignons, regardez. Alors, bougez pas, regardez. Attends, deux secondes. Inventaire, hop. Regardez en parlant d'oignons, les amis, regardez. Hop. Et hop, j'ai des oignons. À la place, hop, oignons. Voilà, les oignons à manger. Alors, c'est pas énorme, ça tous ici. Humour. J'ai massacré par les escadrons noirs. On a eu le choix. Entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale, résister, rallier la guérilla et défendre. Hey! En quoi puis-je vous aider? T'es un nain! Oui, j'ai des bouseux. Qu'avez-vous avant? J'ai besoin d'une armure, une partie. Voyons, qu'est-ce qu'il propose en armure? J'ai besoin d'une armure. Ah! Ingrédients manquants. Éléments tous présents. Cure traité. Il peut faire des bottes de chasse, mais il manque quoi? Dommage! Dommage ça! Dommage. Oh, il me manque peu de trucs. Il me manque quoi là, ça? C'est quoi qu'il me manque, ça? Du fil. Ingrédient manquant. Coton. J'ai pas de coton. Oh, quel seum, les gars. Juste voir un peu ce qu'il propose et tous les gens. Je ferais pas une partie de couille, mais je voulais juste voir ce qu'il proposait le nain. Salut. Pour combattre le mal par le mal. Pas de la vodka. Le baron, il propose une quête de ouf, je pense. Je vais devoir aller sauver une princesse ou un truc comme ça, tu vois. Ça reste un baron, tu vois. Ça a mal tourné cette histoire. Y'a rien pour toi ici. Y'a rien pour toi ici. Bah, je suis en train de te suivre, mon pote, hein. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les mecs derrière, genre? Au niveau de la qualité du stream, les amis, est-ce que c'est moins pixelisé ou pas du tout? Ah, les pales de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Un, deux, trois, un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Merci, Azazel. Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Salut, mon grand! Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. A-t-il bien, cher? Du blabla sans fondement, voilà ce que c'est. Je ne suis pas venu ici pour tenir le crachoir. Allez, hé! Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Ok, je pensais pas qu'on allait aller aussi loin ensemble, mais ça roule. Il est grand. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Vodka. Ah, la voilà. Un petit verre? Bah écoute, je sais pas trop. Avec plaisir, allez. Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Foltest mort. Natalis disparu. Qui sont ces gens? Foltest, je vois, mais Natalis, je vois pas. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Bah, la tienne, mon grand. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger. Surnommé Fifi. Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Le boucher. Comment trouvez-vous, Vélène? Venez-en au fait. Je ne suis pas venu ici pour parler du panorama. Vous avez tort d'éluder le sujet. Vous venez d'arriver. Et les marais et autres bourbiers du coin sont intéressants. Oh, c'est dégueulasse, arrête. À tout le moins. Des bourbiers intéressants. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici,
serait ardu de le retrouver. C'est une menace, ça ? Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille ? Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non ? Bah oui. Donc, elle est venue ici. Dis-moi la vérité, où est Ciri ? Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. Ok, ça donne pas envie. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Ciri, c'est la fille qu'on recherche, pour ceux qui savent pas. Une adulte maintenant. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaqué avant le village. Oh ! Oh ! Oh la chutasse ! Enculé ! Oh ! Oh la chute ! Lorsque vous incarnez Ciri là, vous n'avez pas accès à l'intérieur, vous ne pouvez pas utiliser de signes. What the fuck, mec ? Je vais jouer Ciri là ? C'était moins une. Je dois filer d'ici. Ok, yo. J'ai pas accès à l'inventaire, mais comment elle court ? Je ramasse juste les plantes qui sont là. Celui de la rivière et trouver de l'aide. J'ai de quoi combattre quand même. Oh what ? Oh, trop bien ! Incroyable la téléportation. Aïe. Trop bien la TP, genre incroyable. Incroyable ! J'ai une TP vraiment là ? Suicide. Salut toi. Tu es perdu ? Un peu, je crois. Et toi ? Oui, moi aussi. Oui, mais pareil, juste un peu. Je sais pas comment on est combien, je sais pas. Tu sais dans quel sens il faut aller ? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ça ? Ce n'est rien. Que fais-tu ici ? Comment as-tu atterri ici ? C'est mon père. Ok, je sais pas, Thomas. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Ouh, c'est l'abandon du père, ça. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdu. Je comprends, Thomas, je comprends. Heureusement, il y a Azazel déjà, il y a peut-être ta sœur aussi, je crois. Pourquoi avoir suivi les douceurs ? Mon père, pourquoi t'a-t-il dit de suivre le sentier des douceurs ? Tu as une idée ? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Je ne comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche et j'ai renversé tout le lait. Il voulait t'abandonner, coup dur. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée, mais mon papa a dit à quoi bon. Il a dit qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Oh l'horreur. Que m'envoyer sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Oh bâtard. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison ? Coup dur ça. Ce matin. Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos ? Il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Bien, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du... du roi des loups et de sa meute. Le roi des loups ? Les loups n'ont pas de roi. Si, ils en ont un. Et tu l'as vu ? Oui, enfin non. Clairement, mec. C'est derrière un trou. Énorme. Une cruche cassée, tu avec dégages. Des gros yeux et des crocs immenses. Tu dégages. Une bête vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos ? C'est une épée. Peur. Même le roi.
Viens, je vais t'aider. Let's go. Allez, donne l'épée à la petite, on va voir. Désolé, mais je dois looter. Est-ce que genre, quand je loot, est-ce que ça va donner des trucs pour Ciri plus tard ou pas? Je sais pas. En tout cas, ouais, tu pètes une cruche, apparemment c'est fini. Hein. Tu pètes une cruche, hop, tu dégages de la baraque en fait. Cache-toi, vite. Salut. Ça c'est dodge directement. J'ai pas pu dodge, dommage. J'ai pas réussi à dodge encore. Hop, ça c'est dodge par contre. Ça c'est dodge, ok. Est-ce que je mets des gros coups là? Ah, j'ai pas plus dodge derrière. J'ai pas envie d'attaquer un seul loup en particulier. J'essaie juste de les attaquer en mode... Moi aussi j'attaque en mode, tu vois. Hop, c'est dodge. Elle attaque vite, même les attaques puissantes. Ça c'est des attaques puissantes les gars. En mode tourbillon, la gamine, j'ai pas vu. Je loot un petit peu tous les cadavres. Je sais pas du tout si je vais garder le loot ou pas que j'ai eu. Voilà, après j'ai pas trop bataillé. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, y'en a encore un? C'est quoi lui? Ah, mais ta grand-mère en fait. C'est quoi ça? Sacré cadavre. Et donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Eh ouais, mais moi j'ai du courage. Viens. Et. Wouah! Mister Matrax, merci beaucoup pour le 12e mois d'abonnement. Un an. Mon abonnement n'était pas passé. Ah merde, il n'était pas passé. Mec, attention par contre. Mec, si t'as plus... Fais gaffe à tes thunes, sérieux. C'est tes thunes? Merci beaucoup, mec. Abonnement Nitro. Un an, mec. Merci beaucoup. Comment qu'il va? Il va? Moi, on me dit de la suivre, mais bon. Faut que t'avances, hein. Ah, c'est long quand même. Regarde, il y a quelque chose. D'accord, Matt, ok. Oh, what the fuck? Ça va, Matt. N'approche pas plus. En ce moment, j'ai pas le moral, mais là, ça va un peu mieux. Pas de mais, reste ici. Allez, les gars. Je vais voir quelque chose. Du courage, tous ensemble là. Vous avez vu, Azazel est revenu. Azazel qui est avec nous depuis. C'était il y a un an et demi qu'il avait follow la chaîne, il est de retour. Il est venu nous faire un petit coucou. Désolé pour l'éternuement. Oh, il a pris cher lui. Regardez les yeux. Injecté de sang, mais encore humide. Allez, ça rate le boule de Ciri, bravo. Examinez la bouche. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Mais il est pas en forme, lui. Quelque chose l'a attrapé, puis projeté contre la... Les gars, après toute cette inspection de son corps... Je pense qu'il est mort. Je pense que je peux dire qu'il est mort. Mon diagnostic est sans appel. Non, elle a été grignotée. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Dégueu. En fait, je passe des fois, par exemple sur PUBG, mais je m'exprime pas. Ah, d'accord, mais je savais pas du tout. Bah écoute, c'est super gentil, merci. Tu fais donc partie du FC Lurk, je sais pas si tu connais. Merci beaucoup, c'est hyper cool. Thank you. T'as vu le Nosy Sound Day ou pas? Oh, les PUBG avec la musique. Pourquoi a disparu? Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Yeah. Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? En résumé, il est mort. Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Un loup-garou, encore? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a... Il est tombé, elle lui a dit. Qu'est devenu l'innocence des enfants? Il est tombé. C'est quoi si le roi des loups... Enculé, t'imagines la chute? Bonne question. T'imagines la chute, sérieux? Je peux faire de l'huile pour l'âme. Le mec tombe. De l'huile? Perforation des poumons. Celle qu'on fait avec le coupé en deux. Non. Coupé une jambe. Une huile plus spéciale. Oh là là. Suive de chien, aconite, voilà, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses? C'est ton papa qui t'a appris ça?
pas mon père. Non, mais avec le mec qui a tué son, ouais. Ah, bah oui, c'est ça. Nozzy Sunday, ouais. Le bordel, quoi. J'en ai fait une vidéo, je sais pas si tu savais. Merci pour le lulure que mon petit matraque. J'espère que ça va aller le moral, mon petit pote. Tu sais que tu peux compter sur moi si t'as besoin de parler. Aucun souci. Vous savez, ici, c'est la mif, hein. Ici, vous êtes toujours les bienvenus. Que vous veniez des fois ou tout le temps. C'est la mif. Jouer comme ça, j'aime pas. Je pense que je vais l'éclater à coup de... Ok, je me téléporte pas mal quand même. J'aime vraiment beaucoup cette téléportation là. Oh, je les joue mal là. Je force un petit peu, voilà. Téléporter une fois de plus. Je joue mal mes téléportations. Ok, lui je les dodge, 100%. J'adore le traverser, genre c'est vraiment fort. Ouf. Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des poussins ? Tu peux sortir. Tu en as tué beaucoup. Le roi des loups ne va pas être... Tu sais, regarde, j'ai sûr. Mais courage, courage mon gars. C'est même si c'est facile à dire, rien n'est insurmontable. Mais bon, c'est clair que sur le moment, c'est hyper casse-cou, quoi. Courage. Bon là, je vais devoir éclater un loup-garou, on est d'accord ? Je ramasse des plantes, je sais pas du tout si c'est utile, si ça va se téléporter auprès de Geralt. Passe devant MDR. Imagine, elle se fait bouffer. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Cool. C'est marrant de jouer Ciri quand même. Dis Ciri. Qu'est-ce que tu fais ? Je graisse ma lame. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. C'est bon, j'ai une huile sur mon épée. On peut passer à l'attaque. Ah, parce que je sais pas où je dois aller, moi. C'est elle qui me guide. Hein. Ouais. J'ai l'impression que je suis sur le bon chemin. On va dire que je suis sur le bon chemin. Ah oui, il faut que j'aille dans la grotte, tout simplement. Coucou. Tu as peur ? Et toi ? Et toi, rien à foutre, un loup-garou, monsieur dame. Mais que... Papa ? Tu crois ? Ah, c'est pas papa. Oui, planque-toi. Oh. Je me gratte, excusez-moi. Oh, ok, super. Ok, grave plaisir, en fait. Trompé de touche. Je suis retrompé de touche. Je vais même pas perdre ce combat. Wow. On lui a éclaté la gueule. Salut mon petit Nozzy, j'espère que t'as passé une bonne journée. Salut Moon, merci beaucoup d'être là. Installe-toi. Oui, j'ai passé une journée correcte. Bon, ça a été. Tu peux sortir maintenant. Allez. Merci beaucoup Moon de passer. Comment vas-tu, toi? T'as passé une bonne journée? On a trouvé un cadavre dans les bois. Une chance qu'on soit passé par là. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de haut Sharks quand la bête a attaqué. Comment vas-tu? J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... Yaren, il s'est fait couper en deux. Passons sur les détails. Ouais, elle a déjà vu le cadavre, donc... Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé une ou deux fois... Rien de tout ça, mademoiselle. Mais, monseigneur, il a le bras long, il vous aidera sûrement. Il pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garou. Mais on va prendre la tête alors, du loup-garou. Conduisez-nous à votre seigneur.
On va prendre la tête du loup-garou, les amis. Salut les algous, les mois ça va tranquille, je me repose dans l'air d'aller me coucher. Ben écoute, vas-y, installe-toi, y a aucun problème. Tu es toujours le même. Bah ça va sans plus, toi. La même chose, mon petit Sharksou. Mais on est là pour vous donner de la bonne humeur, donc on envoie. J'espère, Sharks, que tu vas apprécier la petite soirée tranquillou ici. Et bon FT si tu vas jouer. Salut. Wouhou! Salut! Et vous devez bien admettre la ressemblance. Merci Momo. Merci pour le raid. Tu n'auras pas la moindre piécette. Oh, c'est un bâtard. Oh, pas le bâtard. Je vais enlever ma cam, les gars. Bonjour, merci beaucoup, Ghost Nomad. Merci pour le follow. Ben, bienvenue à tous ceux qui arrivent avec Momo. Salut, salut, salut. Comment qu'ils vont? Salut. Alors, tout le monde, merci pour le raid, Momo. Excusez-moi, j'écoute la cinématique et on arrive. J'arrive. Je vais pas manger depuis. Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière. Ça va être en moi. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Bon, dormez ensemble. Je... Chut. Mangez bien. Nous reparlerons quand vous serez reposé. J'arrive, Sudan, sur le live. Comment ils vont? Ça s'est bien passé chez Momo. Comment vas-tu, Ghost Nomad? Merci beaucoup. Merci à Momo de te faire découvrir mon stream. Merci. Mes hommes de veiller sur et merci elle. Pour le follow. Et les laisser dormir. Et ah, la suite devra attendre. Ça va très bien, Ghost Nomad. Ça va très bien. Merci beaucoup. Avant de répondre au baron, hein, bienvenue à tous. Bah, tous ceux que je ne connais pas, notamment Ghost Nomad ici. C'est un stream multigaming. Tout comme ma soeur, je joue à beaucoup de jeux, mais... Voilà, des jeux vraiment différents de Momo. Momo qui fait plus de Age of Empires, de jeux rétro. On a un seul jeu en commun, on va dire, c'est Rocket League. Ici, il y a du Rocket League et des FPS. Et puis, il y a aussi des The Witcher 3, par exemple, le lundi et le mardi soir. Bon, hier soir, exceptionnellement pas fait, mais on l'a pas fait, mais voilà. On a du FIFA, du Club Pro aussi, le mercredi soir et le vendredi soir. On a deux autres émissions, le Rando Game et le Sub Game, qui sont des émissions dans lesquelles on découvre des jeux, voilà, donnés par la commu ou bien proposés par moi. Bref. Mes amis, bienvenue. Et puis, coucou à tous ceux qui viennent avec Momo que je connais déjà, notamment Fullstar. Alors, je vois ce que vous cherchez, dites-moi c'est important de parler. Gretka, où est-elle? La gamine qui accompagnait Siri, qu'est-elle devenue? Gretka, c'est Nézouve. Elle est dans cuisine. Elle est dans cuisine, hein. Siri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi, elle préférait la garder ici. Ouais. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle... C'est tout ce qu'il demande à la vie. Mm-hmm. Et qu'est-il arrivé à Siri? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Ah, casse les burnes. Parlez. Non, elle n'attendra pas. Parlez. Surveillez vos paroles, sorceleur. Allez, parle. Nous souhaitons trouver un terrain d'entente, non? Allez, je vais devoir travailler pour lui. Il va falloir que j'éclate un monstre. On connaît la rengaine. Je vois ce que vous cherchez. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Casse les burnes, sérieux. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Il lui manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés. Et je vous dis que je suis sûr celle que vous cherchez. Sans rien omettre. Bon, il faut que je retrouve sa femme et sa fille, quoi. Comment vous faire confiance? Mais comment vous faire confiance? Quelles sont mes garanties? Mes garanties sont où, les amis? Il faudra vous contenter de ma parole. Ça a été Momo, vous avez fait quoi? T'as joué à quoi? Bon, j'ai pas envie de refuser. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez un boss en solo, mais pas un fou. Bah position. Ouais, mais bon, putain, c'est chiant. J'avais ma parole. J'ai sa parole à lui. Il arrive à siffler avec ses chicots comme ça? Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ouais. Bien joué, ça, Momo, Castle Crusher. Ne regardez pas comme s'il m'était poussé des coups. Nice, Momo. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouti par les ombres. Quand bon, il faut que je sauve sa fille, sa femme. Disparu. Eh bien, je me suis réveillé un beau matin.
et elle n'était plus là. Oh non, ça sent les meufs qui... Ça sent les meufs qui sont partis parce que ça se passait pas bien. J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous ? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Vélène se résume à des marécages et à un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Ok. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Du bouquin de Zif avec Jambrache, toutes les portes de princesse en mode multi. Sur Castle Crasher ? En fait, j'avais pas lu, mais Sharks n'a plus à jouer à EFT depuis 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Sharksou ? Encore merci, Momo, pour ton avis. L'avis sur quoi ? Vos hommes ne les ont jamais importunés ? Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées. Ok, Momo. Comment ça, cet endroit ? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisan à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes ? Ah, ok, Sharks. Le jeu a un problème. Les hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Ah ouais. Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué comme un chien. Ah ouais. Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent ? Ont-elles agi différemment, de manière étrange ? Inhabituel ? Non. Ah, il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits. Quel rang, Sharks ? Une donzelle. Quoi ? Rien d'extraordinaire pour la région. Un monstre ? Chérie, Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours, et Tamara occupée à ses choses. Rien d'anormal. À ses choses, mais putain, mais sois clair. On a pu les enlever. Vous avez des ennemis ? Aucun qui vaille la peine. De petits merdeux inoffensifs. Ah ok, je cherchais pas. Ils sont en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont okay, morts chance. Et enterrés. Il me faut plus d'infos. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre ? Dans quel but ? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non ? Oui. Eh bien alors, laisse-moi fouiller. Travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées. Relou. J'ai pas de mon chat que j'ai incinéré et comme mes amis m'ont dit que j'aurais pas dû garder ce centre, je voulais avoir un avis extérieur. Ok. Bon, moi, je n'aurais pas donné d'avis dessus, concrètement. Est-ce qu'il y a des livres à voler là ? Est-ce que je peux lui voler des trucs ? Est-ce que je peux être un bâtard ? Bon allez, on suit l'autre saucisse. Toute jeune, ah, toute ma fille adorait les animaux. C'est là où ? Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors ? Aucune idée. Papa, t'as vu ? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Eh bien ? Vous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Eh bien. La chambre de Tamara est par là. Si vous en sortez pour inspecter la pièce. Ok, ça part. Alors, inspectons la pièce. Oh. Attends, c'est pas ça que je dois faire. De l'encens et une vieille clé. Ok. Je me demande ce qu'elle ouvre. Attends, mais je dois pas voler tout ça. Bois de santal. À tout moment. Bon nap. Du safran. Nous formons une sorte de grande famille. Nous soutenons les uns les autres et nous entraînons afin de traverser les épreuves et affronter le passé. Car chacun d'entre nous a un passé. Alors vous n'avez pas à craindre que quiconque fouille dans le vôtre. Nous avons une règle. On ne demande jamais plus ce que l'on offre. Ce que l'on t'offre, pardon. Qu'importe le passé, seul compte pour nous l'avenir et notre combat commun. Contre le mal, la dépravation et les pratiques répugnantes en tout genre. Très bien, pourquoi pas ? Mais tout ça, je crois pas que je puisse le voler. En fait, ça, j'aimerais bien le voler, les gars, mais c'est pas trop mon... Voilà. Ah oui. Ça, pourrait je suis... Est-ce que je vole tout, là ? J'ai pas trop envie de tout voler, ici. J'ai peur que ça me... pose problème. Et sucreries, ouais. Tiens,
Très moche, ça. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Ah ! Ok. Étonnant, ça. Je vais pas voler dans les coffres, je pense, les amis. Je suis pas sûr que ce soit le plan. Suivons les traces rouges, peut-être. Hein. On sort. Ce soir, je regarde la série, moi. Eh, hey, Moon, j'ai fini, moi, de la regarder, la série. On attend la suite. On espère que la suite va arriver bientôt. Chandelier en bois. Cassé. Cassé, hein. Monsieur Hariri, comment il va? Merci d'être là, mon gars. Installe-toi. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Quelle toile? Ah ouais. Ouais, c'est super bien, Moon. Ah, ça apparaît. Courage, qui est pas ça. T'as envie d'en parler un peu? Courage, mon gars. Je vais rien voler encore. Le baron et sa femme. Oh, elle a l'air jeune. Monsieur Jem, comment il va? Qu'est-ce que... Je demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Hein. Comment il va, monsieur Diem? Le PSG prend 1-0, c'est grosse dope. Il joue pas bien là? Je rate pas le match, mais je voulais voir le résumé. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. Ouais, le bouquet, il est un peu. Sec, quoi. C'est un peu sec tout ça, les amis. Là, c'est du vent dans sa chaleur. C'est vrai, ça sauve, c'est vrai. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. Hein. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Il y a eu de la bataille ici. Il y a eu de la bataille. Il faut marquer 3 buts pour ce qu'il faut. Ouais, mais c'est des boulets aussi. Ça va, ça sauve? Impeccable, là. Ça va, mec. Ça va. Ça se passe pour toi, tu dois être au taquet là. À la 11ème minute, trop nul. Mes équipes préf, c'est Bayern et Manchester City. Ah ouais? Moi, j'ai pas d'équipe préf. Oh, une griffure, attention. De profonde fissure, faite par un objet lourd. Mais il y a eu un combat ici. Ça va pas très bien en plus, ça. Mais personne va bien ici, bordel. Quand moi j'ai pas le moral, vous avez pas le moral en fait. Bon Lurk, mon petit Harry, merci beaucoup. Tiens-nous au jus du match. De temps en temps, sans crier. Mais c'est quoi cette dawa là? Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Mais du putain, vin mais... de Toussaint, pas de doute. De l'air Vélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Mais c'est quoi ce bordel, sérieux? Non, aujourd'hui en plus j'ai porté le maillot Manchester. Ah ouais? Moi je regarde plus le foot depuis longtemps. Ah ouais? Pourquoi t'aimes plus? Ok, bon, les deux odeurs mènent vers là quoi. Ah oui, ça sort, c'est pas cool. Bon sang, la piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. Un talisman? De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. D'accord. Pour se protéger de quoi? Oh là, mais c'est trop bizarre cette enquête. Eh hey, Grison, t'as la tranche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Putain, mais y a l'odeur en bas là encore. On suit l'odeur, les amis. Bon, l'odeur, elle va jusqu'où là? Ramène la crampe. Je crois que l'odeur, elle va où là? Alors, qu'est-ce que t'attends pour la réveiller si elle pionce? Bon, la meilleure équipe, c'est le... Temps de France, Brésil, 90, ça c'était bah, la France de la Coupe du Monde était cool quand même. Moi j'ai kiffé. Hein. Moi demain je regarde le hockey, mais on ne peut pas en salle donc on peut pas regarder. Ah bah oui, non, c'est vrai. Ah, t'as pas aimé la France 2018 Ghost Nomad? Quand même. Ok, on a déverrouillé. Putain, mais ça mène jusqu'où ça? Oh. Un hôtel. Ainsi le feu éternel a gagné Vélène. Prière.
feu éternel qui rend notre cœur plus léger et nous apporte la lumière. Réchauffe-nous de ta chaleur. Sèche nos larmes, brûle nos ennemis, prends soin de nos amis. Garde ma mère en bonne santé, punis mon père. Aide-moi à accomplir ma destinée. Oula, punis mon père ? Monsieur Aleps, le tank, le joueur de 2 mètres, avant-centre du Calvis United, qui rejoue demain soir, bien sûr, le Calvis United, mes amis. Monsieur Aleps, merci beaucoup de faire partie du FC Lurk. Merci énormément d'être là. Merci pour le resub. Thank you, Mike. Merci, tu fais partie des 180... combien ? Je sais pas combien de personnes. 193 personnes abonnées. Merci beaucoup. On a une équipe pour moins de risques, je trouve, quand tu vois Barthez qui a traversé le stade pour marquer un but, c'était fou. Ah oui, bah ça, c'est sûr, oui. Je suis d'accord. On entend le son du sub en double BG ou alors c'est moi. Ah ouais, vous l'avez entendu en double ? Ah, vous l'avez peut-être entendu dans mon casque ? C'est un peu bizarre cette histoire. Attends, mais je peux voler des trucs là. Moi, je vole des trucs. Et si je vole, je m'en fous, c'est pas les chambres, je vole tout. Tu l'as entendu qu'une fois ? Ok. Mais t'as pas le live en deux fois, mon petit pote Matrax ? Imagine la boulette! M'avoir deux fois en live quoi. Merci beaucoup Aleps pour le lurk, c'est très très gentil et merci d'être là mon gars. J'espère que t'as passé une bonne journée. N'oubliez pas, à ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un best-of sur YouTube. Et ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me faire un retour, ça me fait extrêmement plaisir de savoir ce que vous pensez. Non, mais j'ai le son bizarre, t'as bidouillé un truc avec voice mode? Non, pas du tout. Non, j'ai rien changé, mec. Non. T'as le son bizarre? Ah ouais? J'ai juste changé la qualité de mon stream. Par contre. C'est tout. Moi, ce son de Danix, il faut court à cause de... Ah oui, c'est vrai, t'as pris les... Bon, après, t'as fait un petit peu, c'est cool. Je vois des trucs devant eux, j'en ai rien à foutre. Je loot comme un chien, les gars. J'en ai plus rien à foutre. De l'eau de vie de nain. Est-ce qu'il y a un truc, là ? Requiert une clé. Ok. Bon, a priori, la quête, elle est là. On va la poursuivre. On a volé tout ce qu'on pouvait voler, comme des schlags. Tu mets le lien de ton YouTube ? Bien sûr, Ghost, c'est point d'exclamation YouTube. Et normalement, il apparaîtra. Il fait quoi, lui ? Merci. Sinon t'as tous les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, merci beaucoup Aleps. Vous aurez toutes les infos, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, je suis partout. Et bébé, ça va toi ? Vous avez fini de fouiner ? Vous avez fini ! Quoi, c'est comme un viking, c'est fini ça mec. Je suis mort. Ah tiens d'ailleurs, on va tester allez, la truc de YouTube. Si je clique dessus, est-ce que ça fonctionne encore ? Ah, ça fonctionne encore. Hein. Parce que j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube. J'ai mis NoZeroLol du coup. Merci beaucoup Ghost Nomad, c'est très très gentil. Merci énormément. Tu joues plus à Pastisor ? À Age of Empire ? Salut, Saucisse Titouan. Bienvenue. Est-ce qu'on peut envoyer des chaussons à Saucisse Titouan ? Merci beaucoup d'être là, Saucisse. Je vais t'appeler Titouan plutôt. Saucisse, pas terrible. Et merci beaucoup pour le follow. Encore bienvenue. Merci d'avoir choisi la NoZTV, merci d'avoir appuyé sur le bouton follow, tu es le 3005ème de la MIF. Merci beaucoup. Et du coup, c'est le vendredi matin que je joue à ça, à Moon, et ce vendredi, je ne serai pas là. Alors, j'ai trouvé une poupée. J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire ? Hein ? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur ? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle ? La magie noire. La magie noire, ouais. Vous délirez. C'est moi qui la lui ai faite. T'es un boulet, toi. Peut-être 5. Ouais, je retrouvais pas le nom du jeu. C'était Vizima, un jour de marché. En voyant la magie. Bienvenue, Titouan. T'es joueur de The Witcher. Pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une. Excusez-moi pour le bruit horrible. J'en ai fabriqué une de mes propres mains. Si j'ai bien mémoire, Triste là-bas, cette tête-là, la ressemblance est saisissante. Ça, Triste, sans vous offenser, le travail manuel et vous, ça fait deux. Prenez donc du bois et du chiffon et voyons quelle image d'une adulte vous pourrez produire. Eh, ça va, me parler comme ça, toi ?
Je suis Gérald de Rive, ok? C'est incroyable ça. Oui, donc c'est Age of Empire. non, je suis pas là avant dit Momo, je travaille avec la maternelle, j'ai oublié dans mon programme, je l'ai mis, mais je suis pas là. Redemain, tu joues. Alors, Titouan, comment tu m'as découvert sur Twitch? Merci beaucoup d'être venu. Quelqu'un a ramassé du vin sur le palier, les amis. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ce doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au dépoivreau. Vos hommes se saoulent à l'air Vélus. Oh, la barbe! C'est peut-être moi qui en ai renversé. Oui, c'est peut-être toi qui as renversé du Cervélus, oui. J'ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. T'étais cuit, ouais. Ça vous intéresse. C'est pas le seul coin. Merci, Titouan. Super compliment, merci beaucoup. Et encore bienvenue. Comment tu m'as trouvé du coup, Titouan? T'es perdu sur Twitch? J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? Alors, tu t'es battu avec ta femme? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis, il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par trois fois, je suis assez branque. S'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Ah, ça va. Il me fatigue. Grâce à un copain de mon école. Quel est son pseudo? Ah, ce copain, Titouan. Coucou, c'est le live qu'on aime pas, mais on est amoureux du streamer. Bah ouais, vraiment. Mais moi, c'est ça, hein, les gars. Ma beauté fait venir les gens, fait rester les gens, évidemment. Bon, Lurk, Momo, merci beaucoup. Grims, comment ça va? Moi, j'ai joué il y a longtemps, l'histoire est trop bien, la map est énorme. Moi, je ne connais pas du tout l'histoire, je découvre au fur et à mesure, et le jeu, je le trouve incroyable. Hyper profond. Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna l'a portée. Oui. Une idée de son origine? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfuté, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ça serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Ouais, attention quand même. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Assez grand, Thomas. Pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Quoi? Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. Ah. C'est passe-temps le regarde. C'est cette amulette qui m'intéresse. C'est passe-temps le regarde. Il se tape des chèvres. Moi, ces passe-temps ne m'intéressent pas. Tu peux te taper des chèvres comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Salut Grips, merci pour l'abonnement que nous avons fait. Ah, c'est Grips qui t'a offert un abonnement à Azazel. Merci à lui. Merci encore d'être là, mon petit Azazel. Merci beaucoup. Mon petit, lol. Tutur, c'est toi. Je connais pas, du coup, ton pote Solstice. Saucisse, pardon. Solstice, n'importe quoi. Allez, comment on sort d'ici, là? Laissez-moi sortir. Dégagez. Ok. Est-ce que je peux appeler mon cheval? On va faire une toute petite sauvegarde, rapide, hein. On est sur la quête du Baron Sanglant, monsieur dame. Est-ce que Daoud est resté pour la quête du Baron Sanglant? Il l'attendait tellement. Je sais pas, Daoud, si t'es encore là. Ah non, non. Je crois même pas, le pauvre. Il va rater la quête qu'il attendait depuis longtemps. Arrête de me reniveler, toi, t'es sérieux? Ah non, c'est par là. Ralentissons l'allure. Allez. Et... Mais... je t'avoue, je me rappelle plus trop de l'histoire en soi, mais j'adore les différents biomes. Et je trouve tous les personnages très charismatiques, surtout Geralt, il est top. Ah ouais, carrément, ouais. Pour ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est un vrai plaisir de vivre l'aventure avec ce jeune Geralt. On cherche de nouveaux joueurs. Du coup, ça me donne des quêtes à chaque fois, ça. Faut vraiment que j'arrête de faire le con et que je lise ces trucs. Après cette quête, je ferai des quêtes secondaires, les gars. J'aime trop les quêtes secondaires, c'est trop cool. Dégagez. Ouais, il faut que je trouve la hutte du chaman. Hein. Mais il y a un mec qui me renifle à chaque fois que je passe. C'est incroyable quand même. D'une impolitesse. Attends, je peux passer par là? Carte.
Mais la vue du chaman, elle est super loin. Titouan, je te souhaite une excellente nuit. Merci d'être passé. Si tu veux repasser, c'est quand tu veux. Normalement, demain matin, je dois pas streamer. Mais s'il pleut, je vais streamer. Et a priori, la pluie est prévue. Donc, vous pouvez peut-être compter sur moi demain matin, messieurs, dames. Nous allons aller à pied. Oh, il y a un endroit ici. On va aller à pied ici à Noirfuté. Bonne nuit, Titouan. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup pour le compliment concernant mon live. Merci beaucoup. Bon, on appelle la blette, deux clics sur le joystick gauche. Oups là, j'ai coupé le feu, je voulais pas. Allez, on est très proche de la hutte du chaman. On y va. On doit aller checker un chaman qui aurait discuté potentiellement avec la fille du baron. Fille du baron qui a disparu depuis peu. Salut Titouan, tu sais que tu seras toujours le bienvenu ici, y a pas de soucis. Hein. Ah, bonjour. Qu'est-ce que tu veux ? Parler au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. Que voulez-vous à ce chaman ? Que lui voulez-vous ? Lui donner ce qu'il mérite. Quoi ? C'est-à-dire ? Irazu ! Il a fait de la divination. Bonjour, monsieur. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Bravo, gosse nomade level 1. Bravo, merci beaucoup d'être là. Et il est couvert de pustules toutes dures. Ah. Voilà l'idée, vous partez jusqu'à Edric. Ouais, en vrai, on peut faire ça. Salut Samy, ça va et toi ? Il se trouve que j'ai besoin du chaman vivant. Promettez-moi de le laisser tranquille. Et je vous dis quoi faire pour Edric. L'un dans l'autre. Ça va et toi, Iraz ? Oui. Merci d'être là. Non. D'accord, on t'écoute. Une tisane de molène pour le ventre et couvrez ses bubons de grande mauve. Dans quelques jours, il sera comme neuf. Oh. Allez, ciao. Et si ça marche pas, on se reverra. Rien à foutre si ça marche pas. Allez les gars, on y va. J'en ai rien à foutre. Et revenez à plusieurs. Eh, revenez plus nombreux les gars. Ciao. Ouais, loser quoi. Allez, merci. Qu'attendre d'un homme qui s'attire les foudres des amis d'Edric. Allez, on toque à la porte du chaman les gars. C'est lui qui a vu peut-être la fille pour la dernière fois. Y'a quelqu'un ? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons, qui ont-ils amené ? Que voulez-vous ? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme ? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Samy, demain soir, c'est sûr, il y a le club pro sur FIFA. Et demain matin, peut-être, s'il pleut, je vais streamer. S'il pleut, je stream. Vous m'attendiez ? Vous m'attendiez, moi. Ida, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Le boucher, moi. Voici. Les augures ne mentent jamais. Vous reconnaissez ceci ? Level 4, bien joué, Samy. Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un. Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. Salut, ça faisait un moment que je t'ai pas venu. Comment ça va ? Ça va et toi mon tunnel ? Ben ouais, tu nous as manqué, qu'est-ce que tu foutais ? T'étais où ? T'étais où ? Il était où ? Il était où le nail ? Il était où ? C'est lui qui l'a fait ce truc-là ? Qui avait fait l'amulette ? Ah. Le chaman, bien sûr, à la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection, elle n'aurait jamais dû l'ôter. Conçue pour la protéger, donc. La protéger de quoi ? De quoi ? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Mais c'est Yoda le mec ou quoi ? Une vieille magie. Vous pouvez préciser ? Il ne faut pas en parler. Pas mais c'est Voldemort en face. Un pauvre petit charme de protection. Yoda et on peut en parler, c'est Voldemort. Un chaman est capable. Le boulot intense en physique pendant une semaine. Ah oui, donc t'as... Ouais, ok. Ok mon petit Nail.
Et du coup, t'es en télétravail de nouveau? Heureusement qu'il y a le transcode depuis 2 jours, j'ai pas la co pour aller en 720+. Ah, c'est chiant ça. Je cherche Anna et sa fille. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non. Non et non. Le chaman ne le sait pas, ne sait pas. Attention. Je pense qu'il les protège. Eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exil. Je le trouve pas pourri, lui. Génial. Du moment qu'il me dise où chercher, ça me va. Faut retrouver princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Princesse? Quelle princesse? Princesse ici? Si, son coulis, moi qui n'avais pas l'idée pour la fête des mères. Ouais, il a des pattes de poulet, des pattes de canard, non? Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Pattes de poulet, là. Sans la chair? Impossible. Pas de princesse? Aucune chance. Pas de chèvre, pas de princesse. Attendez, putain, attendez 2 secondes, attendez 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Salut, je suis Gérald de Rive. Salut, je suis le chaman. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes sorceleur? Oui. Retrouvez ma chèvre. Super. Yes. Daoud, et oui, je disais, est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est encore là, Daoud? Parce qu'on a commencé le baron. Oui, Iraz, je suis chaud. Princesse, où es-tu, petite? Très bien, je trouverai votre biquette. Putain, on va chercher une chèvre. Maintenant de la clarine, elle adore. Carillonnez et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Mais qu'est-ce qui me chie, lui? Un monstre assoiffé de sang. J'ouvrirai l'œil. Attention aux fraises et aux framboises, ou je sais pas quoi, aux mûres et aux framboises. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous possédez un nouvel objet de quête équipé en plaçant un emplacement approprié de l'inventaire. Inventaire. Objet de quête. Ils sont où les objets de quête? Talisman. Ensemble. Ah, mais il est déjà placé? What? J'ai recommencé le jeu sur Switch, je suis moins motivé, j'en suis au même endroit que toi. Oh, stylé Daoud, ça fait plaisir. Ah, demain soir, ça va être le feu, les amis. Club pro, club pro, club pro. La vidéo YouTube, les gars. La vidéo YouTube, commentez, aimez. Let's go. Sur les framboises sauvages, je vais attaquer, ça se fait peur. Ouais, mais c'est ça. Attention, attention, les framboises. Ouais, voilà, mec, plate 2 entre 3. Oh, stylé, bien joué, mec. Où est-ce qu'il est l'objet de quête, là? Ah, mais il est déjà là, ok. Clarine du chaman. Okay. Oh, super. Ah non, mais je dois trouver la chèvre là, on est d'accord. Donc là, je suis sorceleur. Putain, ça me casse les burnes. Ah bah super. Bon, je vous baise. Je vous dis de suite. J'arrive pas à les... Putain, mais j'arrive pas à les taper, je suis complètement con, quoi. Attends, c'est quoi ma touche? Ouais, c'est ça. Je les crame. Hop, je les défonce. Toi, je te détruis, tu m'as saoulé. Qu'est-ce que t'es moche, c'est clair. Bah, ça nous dit... Merci beaucoup, Iraz. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, hein. C'est mon best-of, les amis. Allez, checker, ça peut vous plaire. Vraiment que tu achètes une sacoche pour le cheval pour augmenter ce que tu peux porter. Ah! J'en ai une sacoche, mais je crois que ça augmente pas. Ah non, pas, j'ai pas de sacoche, non, t'as raison, t'as raison. Merci beaucoup pour le conseil, Daoud, je le ferai. Je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup. Oh! Par ici, je crois. On l'entend là? Allez, où cette connasse? Il y a un instrument à côté de moi.
Je suis en train de l'appeler là. Allez, viens. Un autre indice. Viens, Titine. Je l'entends. Ah, le voilà. Et je veux dire, princesse. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Allez, viens. Très bien. Sonnons la clarine. Allez, viens, casse pas les burnes. Allons voir le chaman. Allez, viens, bon sang. Sûr qu'il n'y a pas un loup qui va lui casser les couilles. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier? Ah putain, des mûres et des framboises à côté d'elle, là, vraiment. Allez, princesse. Par ici, majesté. Allez. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Oh, la lourdeur de la... Viens! Putain, je suis sorceleur, je suis pas garde de chèvre, c'est bon. Dépêche-toi! Il y en a marre. C'est trop. Je spam la clarinette, là. Hey. Non, mais... Hé, hey, reviens! Elle va se donner un putain de loup. Oh! Attention, un ours. Oh, super... Oh, en culette, le stremon. Oh, j'ai pas pu dodge là. Oh, aïe, 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 ça fait très mal. Aïe. Oh, ouais, mais c'est chaud. Bon, ça, par contre, c'est mort. Je me suis fait éclater. Ah, tu as retrouvé la chèvre, me vouloir rassurer, je vais dormir, bonne soirée à tous. Salut Azazel, repasse quand tu veux, évidemment, tu es toujours le bienvenu, tu le sais. Et merci beaucoup d'avoir retrouvé le chemin de mon stream, ça fait grave plaisir, merci beaucoup. Il fait chaud. Eh oui, je suis juste meilleur qu'un ours en fait. J'ai éclaté un ours, les gars, c'est bon? Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que je suis juste pas le meilleur sorceleur? Il faut vraiment que j'agite cette... Allez, dépêche-toi! Putain, j'ai dû la sauver d'un ours, quoi. Cette connasse s'est donnée à un ours. Je suis vraiment en train de courir après une chèvre, quoi, sérieux. L'ours, il m'a vraiment éclaté la gueule, par contre. Tu ne remplaceras jamais Ablette. Mais je parie qu'on pourrait devenir potes. devenir pote. Tu parles peu. Mais. Allez, connasse! Viens! Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Il y a des loups qui rôdent dans les parages. Ah, il est content. Il est content. Luna! Salut, comment ça va? Une chèvre à moi, gentille, douce, Biquette. Biquette. Salut Biquette, comment ça va? Elle est bien faite, ça va? Il paraît qu'il se la tape, d'après le baron. Allez, vous m'aidez maintenant? Ouais, ça va, Luna, merci. Mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Putain, mais c'est Yoda le mec. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Mais quoi? Mais... C'est tout? Mais j'ai du sang. Je reviens. Je dois avoir du sang sur moi, les gars. Oh, la lourdeur est... Lol. Ça ira. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, c'est pas toi qui fais le ménage après? Oulala. Oulala. Le rat, il va se faire ouvrir en deux. Ah!
Ratatouille. Elles ne sont pas là. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Pana. Patabara. Celui d'un enfant. Super les indices. Elles sont pas là. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Quoi? Daoud, bien joué. C'est fini, déjà? C'est fini. Les esprits n'avaient rien d'autre à dire. Où elles étaient, où elles sont passées. Vous avez eu vos augures. Elles sont parties. Seul reste l'enfant. Ouais, un petit goulet de pâte au calme. Vous parliez d'un enfant. Iras va l'offrir à sa mère pour la fête des mères. Celui d'Anna, voyons. L'enfant d'Anna? Elle était enceinte. Ah. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Oh merde. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Comment il sait ça, lui? Anna vous a raconté tout ça. Elle est venue après. Non, pas Anna. Les augures m'ont tout dit. Une source sûre, formidable. Les augures se nourrissent de foi. C'est celui qui a besoin d'augures qui trace le sillon vers la vérité. Toujours du vent dans les cheveux de Geralt. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. Non, c'est A-t-il sûr. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais princesse lui a léché la main. Je sais, Luna, ouais. C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Le son des voix, je peux pas le changer. Je sais pas pourquoi. Le son du jeu, normalement, quand je combats et tout, il est fort. Mais les voix, elles sont basses tout le temps. C'est chiant. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Dégueu. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Waouh. J'ai entendu dire qu'un sorceleur avait levé la malédiction d'un couvain. Moi, je n'ai jamais essayé. Je sais qu'il faut l'enterrer sous le seuil. Et lui donner un nom. Accomplir l'Emroin. Le baptême. C'est un rituel elfe. Je me trompe. Humain, elfe, nain, ancien. Les esprits n'ont pas de race. Ils n'honorent pas ce concept. Gagnez les faveurs d'un esprit et il vous aidera. Demandez, il répondra. Cherchez, il montrera la voie. Ok, c'est chaud. Pourquoi voulez-vous son sang? Le sang. Le sang. De tout temps. Il aveugle les uns. J'aime bien ce personnage de Shaman. Comme mort. D'accord. Mais qu'en ferez-vous? Il arrive qu'un siècle ne suffise pas à deux frères pour se réconcilier. L'un meurt avant que tout rentre dans l'ordre. Alors j'arrive, Luna. L'autre apporte son sang au chaman. Et que fait le chaman? Il attend la veillée des ancêtres. Il mêle le sang à du lait, des herbes, une patte de poule. Puis, il boit pour réconcilier morts et vivants. Il n'y aura pas de veillée cette année. Mais qu'importe. On se débrouillera. Dommage, j'ai une commande de grand programmée, je vais me faire chier. Ah merde. Tu auras ton tel quand même. Un petit peu, tu pourras faire des trucs sur ton tel. La veillée des ancêtres, c'est quoi? J'ai bien entendu. La veillée des ancêtres, c'est une très vieille coutume. Je la croyais disparue. Par ici, la mort rôde dans la vase et l'eau croupit. On sait qu'elle peut frapper. Alors, on vient me voir si on veut connaître la paix. La veillée des ancêtres doit s'accomplir. Allumer les bougies de suif pour les guider dans le noir. Les appeler par leur nom. Apaiser leurs regrets.
Il faut tout ça pour qu'il parte en paix. Il est très charismatique, ce perso. Ouais, mais je regardais de la batterie au cas où l'accouchement. Ah oui, c'est vrai. Mais ta coupure de courant, elle va durer combien de temps? Attends, je vais me remettre en bas à droite. Et je vais juste enlever ma cam, en fait. Comme ça, là. Voilà. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Oh, mais putain, mais il est sérieux, lui. Eh, hey, respire, mon pote. Putain. De la pluie prévue pour demain. Oui. Oui. Demain matin, il est censé... Merde, j'ai mangé... Putain, j'ai mangé des oignons. Oui, il est prévu de la pluie pour demain, a priori, ouais, mon cher Iraz. Après, peu de pluie, donc peut-être qu'il n'en sera pas assez pour que je ne travaille pas. Voyons. Personnage, méditation... carte du monde. Alors, où doit-on aller voir le baron, là, les amis. Donc on va aller ici, se téléporter.